Yep, les gens, c'est Verxios et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dofus Touch. Donc j'espère que vous allez bien. Et pour commencer, j'aimerais vraiment vous remercier puisqu'on a dépassé les 800 abonnés. Alors comme vous voyez, j'ai fait beaucoup de vidéos qui ont eu beaucoup de vues. Alors ça fait 5 semaines que j'ai pas fait de vidéo, donc excusez-moi, j'ai essayé tout simplement de faire une nouvelle intro. Donc comme vous avez vu en début de vidéo, nouvelle intro, dites-moi dans les commentaires si elle est bien. Franchement, j'ai mis du temps avant de réussir à craquer Sony Vegas Pro. J'ai vraiment galéré et au final, mon frère a réussi à me l'installer, donc merci à lui. Et vous pouvez voir quand même que pendant ces deux petits mois... mes vidéos ont fait beaucoup de vues, j'aimerais vraiment vous remercier aussi, 328 likes, donc ça veut dire qu'elles vous ont plu, que mes astuces Kama ont marché, et que du coup ça a été récompensé par des likes, donc merci beaucoup. Alors excusez-moi pour mes astuces Kama, il y a très peu de serveurs, entre autres, il y a un seul serveur qui est beaucoup joué sur Dofus Touch, et du coup dès que je passe une astuce Kama, il y a énormément de vues étant donné qu'il y a peu de youtubeurs sur Dofus Touch, et du coup automatiquement, comme un seul serveur, tout le monde fait la même astuce Kama, et tous les prix descendent et l'astuce Kama est morte. Du coup, on a atteint les plus de 800 abonnés, donc c'est vraiment énorme. J'aurais dû répondre ça par directement des vidéos, mais j'ai pas fait de vidéo pendant 5 semaines, donc excusez-moi. Là, vous voyez 832 abonnés, on a atteint les plus de 100 000 vues en passant, on a fait une vidéo à plus de 300 likes. On a fait une autre vidéo sur Memu qui a atteint les plus de 300 commentaires aussi. Donc c'était vraiment les deux mois records hein, aujourd'hui, là vous voyez. J'ai fait 4 vidéos en 2 mois, elles sont passées dans les vidéos les plus vues de ma chaîne. Donc franchement merci beaucoup à vous, je vois que ça vous a plu. Et du coup aujourd'hui ça va être une vidéo surtout présentation guild. Et je vais vous montrer vite fait mon alliance parce que je recrute, je vais vous montrer mon stuff, à quel point j'en suis depuis la dernière fois. Alors donc on va commencer d'abord par mon stuff hein, on va commencer par la guild après hein. Du coup là j'ai 1 700 000 Kama, je fais toujours des astuces Kama en passant. Bien sûr je vous en sortirai une demain ou après demain, je verrai. Et vous pouvez voir que je me suis acheté un sympathique stuff rat blanc. Donc j'ai pas pris l'épée puisque tout simplement sinon j'aurais été en 10-4 et je voulais être en 9-5. Donc pour avoir un PM en plus j'ai pris les Made in China et ça m'a enlevé un PA, 10 de force, 10 d'agi. Un Gelano et alors, le Gelano avec le PA. Et franchement, donc là, un ganté du Rablan, assez bon jet, un 90 du Vita sur 40, si je ne me trompe pas. Ceinture du Rablan, rien d'exceptionnel, pareil pour les bots. Alors j'ai fait une bonne affaire, je l'ai acheté à 1 685 000, le stuff Rablan, pour... et deux items, une chica coiffe et une autre coiffe à recette secrète, mais franchement, je pense pas que ce serait vendu très vite. Du coup, je l'ai échangé plus ses Kama contre ses items. Une coiffera blanche le gamma FM, donc presque un très bon jet hein, franchement. Et voilà, donc c'est à peu près tout. Je crois que je vous ai montré la cape, les Made in China, une des armures que j'ai acheté à 2 millions de Kama. J'avais la flemme de la monter niveau 100, donc je l'ai acheté directement niveau 100. Et je remercie énormément Pui, quelqu'un de un membre de ma guild. Ça fait déjà depuis le début à peu près du serveur. Enfin, depuis le début j'ai commencé à jouer, que je joue avec lui. Et merci beaucoup à toi parce que tu m'as passé un Gelano et merci beaucoup Owen. Du coup, maintenant, je vais vous présenter ma guild, enfin notre guild. Donc, je vous invite à la rejoindre. Alors, vous pouvez voir, on est 113 membres. Elle a été, je l'ai créée le 18 septembre 646, donc on va dire 2016. C'était bah, il y a à peu près 1 mois et 11 jours. Donc là, il reste à peu près 19 jours avant que la guild ait ces 2 mois et je pourrais mettre des maisons et des enclos. Donc, j'ai une maison à moi, ça aussi, je vous montrerai après. Alors, on va passer faire un coucou à la guild, je vous montrerai après... Donc je fais aussi un coucou à l'alliance. Voilà. Du coup, alors là on est 18 de quoi. Alors ça c'est vraiment énorme avec notre guide. Alors je suis content d'avoir donc salut à tous hein, les gars. Donc merci beaucoup. Enfin je voulais dire on est 18 à chaque fois. On est au moins 20 connectés. Et ça c'est vraiment énorme. Puisque je pensais vraiment pas qu'on serait aussi actif. Après c'est sûrement comme c'est sur téléphone, les gens peuvent se connecter plus facilement. Alors aussi je vais vous parler un peu de la guild parce que j'ai mis des systèmes d'XP et des systèmes de rang. J'ai aussi créé un serveur Discord. Alors voilà, Discord c'est comme TeamSpeak et Skype mais sauf en 100 fois mieux et en plus en gratuit. Et vous pouvez créer un serveur mais vraiment gratuitement au lieu de payer 5-10€ sur TeamSpeak. Et vous voyez là on est 22 de la guild dessus. Donc vous pouvez en plus nous rejoindre, on pourra parler en vocal. Il y a même un serveur où vous pouvez mettre des fichiers et des screens. Du coup maintenant je vais vous montrer la guild.
Donc on est 113, niveau 25, vous voyez, pour seulement un mois et un jour, je pense que ça a été assez rapide. Niveau perco, j'essaye d'augmenter jusqu'à ce qu'on ait 25 perco, donc là il y en a 10 de pesée sur 11. D'ailleurs l'alliance se défend très très bien. Donc maintenant je vais vous montrer les membres, alors je vais faire en niveau décroissant. Hein. Alors attendez, voilà, hop. Alors je bug un peu hein, parce que là je suis chez mon père pendant que je fais cette vidéo. Voilà. Attendez, je vais redescendre en bas jusque... Ah non, c'est en haut, du coup c'est passé. Voilà. Alors, du coup, Pouy qui m'a passé Gelano, donc merci beaucoup à toi. Megazen, bon bref, je vais pas citer les 113 membres, sinon on en a pour la nuit. Mais j'aimerais tous vous remercier d'avoir rejoint la guilde et d'être aussi actif et donner une aussi bonne ambiance. Du coup, niveau moyen 77 pour 113 membres, je trouve que c'est assez correct. A chaque fois qu'on dépasse 10 niveaux, enfin à chaque fois qu'on passe une dizaine de niveaux au niveau moyen, on augmente le niveau minimum. Donc là, le niveau minimum est à 70. Quand on passera au niveau moyen 80, ça sera niveau minimum 80. Alors, fin des vacances, j'exclus tous les niveaux 60. Si vous êtes de mes abonnés, que vous êtes des viewers, n'hésitez pas à venir, même si vous n'êtes pas niveau 70. Mais vraiment 60, on recrute 70 mini, mais je peux faire une exception. Mais fin des vacances, j'exclus tous ceux qui sont pas niveau 70. Niveau des rangs, alors j'ai fait tout un tableau. Alors, je vais essayer. Voilà, il est sur Discord. Alors... En fait, j'ai créé un système de rangs et d'XP pour passer les rangs, puisque sinon c'était le souk, ça servait à rien. Chaque rang, je mettais au hasard. Et là, au moins, il y a un système de rang qui est attribué avec de l'XP. Donc là, vous pouvez le voir. Donc toute la première semaine, vous serez apprenti si vous rejoignez notre guild. Tout simplement pour vous évaluer et pour que vous ayez le temps de passer l'XP. Si jamais vous n'avez pas plus de 10 000 XP au bout d'une semaine, je vous mettrai pénitent. Donc c'est juste un peu pour déconner, hein, les gens, c'est pas grave si vous êtes pénitent, c'est juste un grade, on s'en fout, hein, c'est un jeu. Ensuite, vous pouvez monter en XP, donc moi je trouve que c'est assez sympa comme ça. Ça permet de mettre des objectifs dans la guilde, sinon avant il n'y avait aucun objectif de monter dans la guilde, ça mettait moins d'ambiance, etc. Donc je trouve mieux. Après j'ai mis certains métiers, vous voyez, il faut avoir des conditions très spéciales comme les 4 derniers. Hein. Artisan, niveau 100, protecteur il faut être niveau 120 mini et 100 000 XP, comme ça correspond un peu, au nom du rang. Trésorier, 10 millions de kama, il faut avoir sur soi-même. Et bras droit, personne de confiance, niveau 100 minimum et 75 000 XP. A droite, j'ai mis toutes les personnes qui étaient nouvelles et qui... je mets la date quand elles ne seront plus apprenties. Donc d'ailleurs, là, il y a 3 personnes que je dois changer leur rang. Donc voilà, donc ça, c'était tout au niveau du rang. Donc normalement, il y a d'autres... il y a d'autres guildes qui ont dû venir... attendez, voilà, hop. Du coup, voilà, donc au niveau des rangs, il y a ça. Aussi, au niveau pour poser des percos, étant donné qu'on est 113, qu'il y a pour l'instant 11 percos, il faut que la guilde up niveau 53, j'ai calculé, pour qu'il y ait 25 percos, c'est-à-dire le maximum. Pour l'instant, j'augmente que les percos, il y a aussi le sort de désenvoûte et le sort rocher que j'ai augmenté. Au niveau des droits, alors vous avez le droit de transmettre vos droits, donc ça, je pense que c'est assez normal, inviter de nouveaux membres, gérer votre répartition d'XP. Et alors là, pour poser un percepteur, étant donné qu'on est beaucoup trop, que c'était totalement, c'était tout le temps full et qu'on a le droit de percepteur par personne, hein, c'est pas assez je trouve, j'ai jugé qu'il valait mieux et j'ai demandé à plusieurs personnes qui ont été d'accord qu'il faille minimum 40 000 XP pour la guilde pour avoir ce droit. Donc j'ai passé à peu près une heure à enlever le droit aux 100 et quelques membres tout à l'heure. Et sinon, vous pouvez collecter vos percos, hein, donc pour ceux qui en avaient déjà posé avant que j'enlève le droit. Vous pouvez utiliser les enclos, aménager les enclos. Alors ça aussi, dès qu'on a 2 mois, on va acheter 3, voire 4 enclos. On va essayer d'en trouver, étant donné qu'il n'y en a plus, à plus de 10 places, ça va être assez galère. Et ça aussi, il y aura un nombre d'XP minimum pour pouvoir avoir ses droits quand on aura des enclos. Donc j'espère que vous comprenez pourquoi, sinon on est beaucoup trop. Et si on est sur les 130 à mettre des DD dans les enclos, alors que moi par exemple j'ai un élevage de 30 DD pour l'instant, j'espère augmenter à 200 DD pour vous montrer une astuce Kama, ça sera le gros souk. Donc voilà, donc en passant je vais vous montrer la petite alliance et je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Donc excusez-moi si c'est pas une astuce Kama, si c'est pas vraiment quelque chose que vous attendiez spécialement, mais il fallait quand même que je vous prévienne que je revenais enfin après 5 semaines d'absence. Mon introduction, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires si elle vous a plu, hein. Sinon je peux encore la changer, hein, maintenant que j'ai réussi à craquer mon logiciel. Et sinon on est assez une bonne alliance, hein. Il n'y a que des membres de très bon level. Niveau perco, on défend tous nos percos. Je dirais qu'on gagne 97% de nos... 85, 95% de nos...
de nos attaques, voire 90% je dirais plutôt. Ouais, une attaque sur 10 encore on peut la perdre, et encore aujourd'hui on a dû se faire attaquer je dirais 20 fois, on n'en a pas perdu une seule, donc ça c'est vraiment pas mal. Après bien évidemment si la FRDM nous attaque, on ne peut rien faire. Donc voilà les gens, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc c'était une introduction des vidéos qui allaient suivre pour vous faire signal que je reprenais les vidéos et les astuces Kama et les astuces XP. Et peut-être que je me lancerai dans des let's play, peut-être du PVP aussi avec mon sacré qui est pas mal du tout. Et du coup voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à laisser des commentaires. Surtout des commentaires, c'est ce qui me fait le plus plaisir pour partager votre avis. Ok, ciao ciao tout le monde.